La saison 12 du meilleur pâtissier, concours présenté par Marie Portolano avec Cyril Lignac et Mercotte, débarquera début septembre sur M6 avec 16 nouveaux candidats. On fait le point sur les enjeux de cette nouvelle saison. Le rendez-vous annuel des amoureux de délices sucrées s'apprête à reprendre du service sur M6. La chaîne a dévoilé ce mardi la date de lancement de la saison 12 du Meilleur Pâtissier, son programme phare coproduit par BBC Studio France et Kitchen Factory Productions et présenté par Marie Portolano. Si l'animatrice et journaliste a rejoint France Télévisions pour prendre les commandes de Télématin aux côtés de Thomas Soto, elle avait mis en boîte cette nouvelle saison au printemps dernier, avant son départ effectif du groupe M6. Le meilleur pâtissier, quand sera diffusée la saison 12 de l'émission sur M6? Le coup d'envoi de la saison 12 du meilleur pâtissier est prévu le mercredi 6 septembre à partir de 21h10. 16 pâtissiers amateurs vont tenter d'intégrer le célèbre château. Parmi eux, des personnalités hautes en couleur, à l'image d'Amet, community manager qui adore la mode, le chant, la danse. Et pâtissier bien entendu. Gagnante du programme En route vers le meilleur pâtissier, la jeune Ninon, tout juste 17 ans, sera également de la partie. Elle ambitionne de marcher sur les traces de Manon, la dernière gagnante en date, qui a depuis publié un livre de ses meilleures recettes qui s'est écoulé à près de 18 000 exemplaires selon M6. Quels chefs seront présents dans le meilleur pâtissier sur M6 cette année? Pour la première fois au cours de la saison, les apprentis pâtissiers quitteront le château le temps d'une épreuve qui se déroulera à Disneyland Paris. Le meilleur pâtissier sera toujours articulé autour du défi de Cyril Lignac, qui mettra à l'honneur les desserts préférés des Français et de l'épreuve technique surprise de Mercotte. Un nouveau nom pour cette épreuve au cours de laquelle la célèbre jurée aura à cœur de surprendre les candidats en faisant venir de grands chefs. Parmi les nouveaux visages annoncés cette saison figure Jade Genin, fille du célèbre chocolatier, Sandra Ornella, qui fait partie des chefs les plus créatifs, et Bastien Blanc-Tailleur, chef pâtissier spécialiste des gâteaux de mariage de luxe. Que les fans se rassurent, des chefs habitués tels que Pierre Hermé, Jessica Préalpato et Christophe Michalak feront leur retour. Le meilleur pâtissier, la cuisine secrète de Mercotte fait son grand retour pour la deuxième année consécutive. En deuxième partie de soirée, Mercotte prendra les commandes du meilleur pâtissier, la cuisine secrète de Mercotte. Toujours accompagnée par le meilleur ouvrier de France Christophe Arnoux, elle offrira une seconde chance aux pâtissiers éliminés de revenir dans le concours. Sauf que cette fois, personne n'est au courant du plan qu'elle a imaginé, ni Cyril, ni Marie, précise M6 dans son communiqué.